Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à notre troisième soirée de notre deuxième saison d'identité québécoise. Notre invité numéro un est Monsieur Lacourcière. Il va venir à chaque mois nous parler d'histoire. Là, je vous parle beaucoup de chiffres, mais c'est important. Aujourd'hui, on couvre des dates importantes de 1839. La pendaison de Chevalier de Laurier jusqu'à la Confédération de 1867. On va couvrir une bonne période de temps. Et sans plus tarder, ça me fait plaisir de vous présenter Monsieur Lacourcière qui vient nous parler tous les mois depuis maintenant 2 ans. Merci d'être là et bonne soirée. Merci. Il y a un mois, on s'était arrêté à 1837. On a vu qu'au début de 1838, le 28 février, Robert Nelson avait proclamé la République du Bas-Canada. Et c'est dans ce texte-là qui se voulait un peu à l'image de la démarche américaine en 1774, à l'époque où les États s'étaient déclarés indépendants. Et après, on avait réussi à acquérir son indépendance. Nous, on adopte à peu près la même méthode, sauf qu'on va échouer. C'est-à-dire qu'on proclame l'indépendance de la République du Bas-Canada, mais on va, au cours de l'été 1838, essayer d'organiser une armée avec les frères chasseurs. Et on va, au début du mois de novembre 1838, descendre, quitter le Vermont et venir essayer de vaincre l'armée anglaise, mais le général Corbin sera beaucoup plus fort et ce sera la défaite des Patriotes à ce moment-là. Il y aura nécessairement à peu près 800 et quelques arrestations et on va faire des procès à ces gens-là et on va en pendre un certain nombre, c'est-à-dire qu'il y en a 12 qui vont se retrouver sur l'échafaud. C'est-à-dire qu'on aura à peu près 3 rythmes de pendaison. Mais la pendaison la plus importante, c'est peut-être celle du 15 février 1839 avec un personnage très important qui s'appelle Chevalier de Laurier. Il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi un Français parmi les pendus qui était Charles Indelang. C'est pour moi la différence qu'il y a entre 1837 et 1838. En 1837, on essaie d'arrêter l'armée anglaise, on réussit à Saint-Denis, mais on échoue à Saint-Charles et à Saint-Eustache. À ce moment-là, c'est pour moi un genre de rébellion, mais en 1838, c'est vraiment une révolution. On se situe dans le rythme du monde occidental, c'est le printemps des peuples, c'est le triomphe, c'est le peuple souverain, et on veut appliquer ici cette idée qui a fait en sorte que l'Amérique latine va se libérer de l'emprise espagnole et portugaise, que la Grèce et la Belgique vont acquérir leur indépendance, que la France connaîtra ses 3 glorieuses au cours du mois de juillet 1830, qu'il y aura à ce moment-là une révolte en Pologne, qu'il y aura un soulèvement en Italie. C'est le début de la lutte pour faire disparaître le pouvoir temporel des papes. On va réussir seulement beaucoup plus tard. Et c'est l'idée que c'est le peuple qui doit régner, que c'est le peuple qui doit décider et que la royauté, que l'Empire, c'est quelque chose peut-être de dépassé. Mais les patriotes vont échouer et à ce moment-là, il va y avoir des procès qui vont faire en sorte que 12 patriotes seront pendus et que 58 seront déportés en Nouvelle-Galles du Sud. Il faut peut-être rappeler qu'en 1838, il y a l'ordre de Ram qui vient ici. L'ordre de Ram, c'est un peu le Kissinger de l'époque. C'est certainement le diplomate britannique le plus important à ce moment-là. On l'envoie ici faire une enquête, faire une analyse de la situation et faire en sorte qu'il puisse proposer des solutions pour régler le problème, non seulement du Bas-Canada, mais aussi dans le Haut-Canada, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait eu dans le Haut-Canada aussi un soulèvement qui était beaucoup plus court. Il y a eu à peu près seulement un engagement, celui du Montgomery Tavern. C'était Mackenzie qui était le chef du Haut-Canada, alors que Papineau était le chef du Bas-Canada. Et Lord Durham ne voulait pas faire des procès en 1838, et à ce moment-là, il va faire en sorte qu'il y a 8 des principaux chefs
des patriotes qui vont signer un genre d'aveu, et pas complet, mais un genre d'aveu de culpabilité. On l'a vu la dernière fois, on va les exiler aux Bermudes. Et ces gens-là sont, il faut la peine de les noter, il y a Wilfred Nelson. Wilfred Nelson, c'est lui qui avait remporté la victoire à Saint-Denis. Mais c'est bon de préciser qu'en 1847, Wilfred Nelson va devenir le maire de Montréal. Donc, et ça va être le premier maire élu directement. Parce qu'auparavant, en 1833, à Montréal comme à Québec, on va élire des conseillers et les conseillers vont se choisir parmi eux un maire, mais c'est seulement à partir de 1847 qu'il y aura un vote direct de la part des électeurs pour choisir un maire. Il y a donc Wilfred Nelson, il y a Robert Charlemagne Bouchette, il y a Bonaventure Vigée, Siméon Marchessault, Henri-Alphonse Gauvin, Toussaint Godu, Rodolphe Desrivières et Louis-Hyacinthe Masson. Par contre, nos chefs politiques, bon nombre se sont exilés à l'étranger, entre autres Papineau. Il y a aussi le docteur Côté, il y a Robert Nelson, il y a O'Callaghan, il y a Édouard-Étienne Rodier, qui, en 1832, va faire une déclaration épouvantable contre l'immigration. S'il y avait eu à comparaître devant la commission Bouchard-Taylor, je garantis qu'il aurait été raide vis-à-vis les accommodements raisonnables. Il y a Thomas Thoreau Brown. Il y a, c'est important de noter qu'il y a des anglophones aussi parmi ceux qui se sont exilés. Donc, fin 1838, on va avoir à ce moment-là des premières pendaisons, mais on décide à un moment donné de pendre Charles Delange, qui était un Français, et il y avait avec lui, ils ne sont pas arrêtés, ils ne sont pas pendus, ceux-là, deux officiers de l'Europe de l'Est. Ça montre qu'en 1838, on a affaire à moi, ce que j'appelle un genre de mouvement quasi-international, parce qu'on a des chevaliers de l'indépendance qui viennent prêter main forte aux patriotes du Bas-Canada à ce moment-là. Donc, 38, c'est la défaite. Et on va arriver tout de suite au discours de M. Indelangue a fait un discours intéressant. Parce que c'est drôle, il y en a parmi les cinq pendus du 15 février 1839 qui vont presque confesser qu'ils ont fait des erreurs. Mais entre autres, Charles Indelangue, déclarer, il dit « L'histoire de tous les âges, de tous les peuples nous apprend que tous ceux qui ont pris part à un mouvement politique quelconque, lorsqu'ils ont été couronnés de succès, ont acquis avec la gloire, l'approbation et l'estime des nations. Mais qu'au contraire, lorsque la fortune a trahi leurs efforts, on leur a donné les noms de traîtres et de rebelles. Jamais chez les peuples civilisés, ceux infâmes de brigands, voleurs et pirates. C'est avec un chagrin bien vif que j'ai vu ces qualifications honteuses s'adresser à moi-même. J'en suis d'autant plus surpris que j'étais loin de m'attendre qu'un peuple aussi policé que celui de la Grande-Bretagne flétrirait de ce nom un homme, un étranger, dont les actions qu'on lui impute à crime sont semblables à celles qui ont fait et font encore la gloire d'une foule de leurs grands hommes. » Et Delorimier est beaucoup plus direct, et je pense que ça vaut la peine qu'on s'arrête un peu au dernier discours de Delorimier. Et aujourd'hui, peut-être qu'on ne prendrait plus ceux qui prendraient les armes pour mouvoir l'indépendance du Canada. Ils l'ont fait, eux. Et ils déclarent « Je meurs sans remords. Je ne désirais que le bien de mon pays dans l'insurrection et l'indépendance. Mes vues et mes actions étaient sincères. Ils n'ont été entachés d'aucun des crimes qui déshonorent l'humanité et qui ne sont que trop communs dans l'effervescence des passions déchaînées. Depuis 17 à 18 ans, j'ai pris une part active dans presque toutes les mesures populaires et toujours avec conviction et sincérité. Mes efforts ont été pour l'indépendance de mes compatriotes. Nous avons été malheureux jusqu'à ce jour. Malgré tant d'infortunes, mon cœur entretient encore le courage et des espérances pour l'avenir. Mes amis et mes enfants verront de meilleurs jours. Ils seront libres. Un pressentiment certain, ma conscience tranquille me l'assure. Voilà ce qui me remplit de joie quand tout est désolation et douleur autour de moi. Les plaies de mon pays se cicatriseront après les malheurs de l'anarchie d'une révolution sanglante.
Le paisible Canadien verra renaître le bonheur et la liberté sur le Saint-Laurent. Tout concourt à ce but. Les exécutions mêmes, le sang et les larmes versées sur l'autel de la liberté arrosent aujourd'hui les racines de l'arbre qui fera flotter le drapeau marqué des deux étoiles des Canada. Quant à vous, mes compatriotes, peuple, mon exécution et celle de mes compatriotes d'échafaud vous sont utiles. Puissent-ils vous démontrer ce que vous devez attendre du gouvernement anglais? Je n'ai plus que quelques heures à vivre et j'ai voulu partager ce temps précieux entre mes devoirs religieux et ceux dus à mes compatriotes. Pour eux, je meurs sur le gibet et de la mort infâme du meurtrier. Pour eux, je me sépare de mes jeunes enfants et de mon épouse sans autre appui. Et pour eux, je meurs en m'écriant « Vive la liberté, vive l'indépendance ». Et à ce moment-là, à 9 heures, c'est la pendaison, le vendredi, parce qu'on pend toujours le vendredi, hein, je l'ai déjà dit. Le vendredi est le jour de la mort du Christ. Et le Christ était mort pour expier les péchés des hommes et des femmes aussi. Les pendaisons, donc, pendant très longtemps, ont toujours eu lieu un vendredi. Et c'est pour ça que le vendredi 15 février, on pend les patriotes. Il y a ceux qui restent en prison. Et à ce moment-là, il va y avoir un procès, entre autres, du colonel, du commandant Jalbert, qui est accusé d'avoir tué un soldat anglais qui s'appelle George Weir. C'est un procès par jury. Il y a 6 jurés francophones et 8 jurés francophones et 4 jurés anglophones. Le procès se termine pas parce que les francophones déclarent que Jalbert n'est pas coupable. Les deux des anglophones déclarent qu'il est coupable. Et à ce moment-là, c'est la prorogation de la session criminelle. Le procès est donc annulé. Et la foule anglophone est fâchée. Et on blesse gravement 5 des jurés francophones à coups de bâton puis à coups de parapluie. Et là, ceux qui sont... Il y avait 58 patriotes qui avaient été condamnés à mort, mais on avait décidé qu'il n'y aurait plus de pendaison. Et le 25 septembre 1839, à 15 heures, on apprend à ces 58-là qu'ils vont être déportés en Nouvelle-Galles du Sud, qui était un endroit où il y avait un bagne. Et on doit partir le lendemain. Ils sont enchaînés. Il y a des soldats qui les accompagnent jusqu'au port de Montréal. Ils prennent un bateau jusqu'à Québec. Et à Québec, ils embarquent sur un bateau qui s'appelle le Buffalo. Ils partent de Québec donc le 28 septembre. Il y aura vendredi prochain 168 ans que ça s'est produit. Et la traversée va être très longue. Il ne faut pas oublier qu'il faut contourner le continent de l'Amérique. Et on va arriver à Sydney le 25 février de l'année 1840. Ces gens-là vont travailler comme des bagnards parce qu'ils arrivent dans un bagne, ils vont être obligés de casser la pierre pour faire un chemin. Et après un an et demi, on va les louer à des habitants du coin. Ils sont sur le bord de la rivière Parramatta. Là, ils vont travailler un peu comme des esclaves. Et en 1844, on les gracie, mais ils devront payer eux-mêmes le coût de leur voyage de retour. Et au Bas-Canada, on a fait une collecte pour les aider à défrayer le coût du voyage, mais l'argent ne s'est jamais rendu en Nouvelle-Galles du Sud. On ne sait pas en cours de route qui s'en est emparé. Les derniers vont revenir en 1846. Il y en a juste un qui va rester là-bas, c'est Joseph Marceau, qui s'était marié avec une fille du coin. Lors de Rame, au début du mois de février, le 31 janvier 1839, va rendre public son rapport. Et dans son rapport, il va demander l'union du Haut et du Bas-Canada. Parce que pour lui, le fond du problème, c'est un problème racial. Il dit qu'il y a une inimitié très forte qui existe entre le groupe francophone et le groupe anglophone. Le groupe anglophone est prospère, évolué,
alors que le groupe francophone est arriéré comme des Français d'Ancien Régime. Donc, même si on a une population de 650 000 dans le Bas-Canada et de 450 000 dans le Haut-Canada, on va accorder le même nombre de députés dans le nouveau, donc 50-50, et on va fusionner les dettes. Dans le Haut-Canada, on a une dette de 1 200 000 louis, parce que le Haut-Canada, pendant que dans le Bas-Canada, ici, on se chicanait à la Chambre d'Assemblée sur la querelle des subsides. Dans le Haut-Canada, on avait construit des édifices, on avait conçu des routes, on avait développé des industries. On avait, nous, seulement une dette de 96 000 livres, mais on va fusionner les dettes. Ce qui signifie que le Bas-Canada a payé et paiera pour le développement du Haut-Canada, donc de l'Ontario. Et ça a commencé là, si ça peut vous faire plaisir. Ça a vraiment commencé là. Pour moi, c'est une injustice flagrante. Et Durham va avoir une petite phrase qui va être mal interprétée. Et il va dire que les Canadiens français forment un peuple sans histoire et sans littérature. Il avait raison. Il n'a pas dit qu'on n'avait pas de passé. On n'avait pas d'histoire constituée. C'est François-Xavier Garneau qui, en 1841, publiera la première histoire du Canada. Peuple sans littérature, c'est seulement en 1837 que paraît notre premier roman, qui est Le chasseur de trésors. Un roman pas trop intéressant. Je ne sais pas si, est-ce qu'il y en a qui l'ont lu? Bon, dans ça, il est question du Grand Albert, qui est un livre où on peut faire de la magie noire, et ainsi de suite. Et il va donc à Londres. Je veux juste vous donner, quand il parle du peuple rétrograde, il dit « Voici une race d'hommes habitués aux travaux incessants d'une agriculture primitive et grossière, habituellement enclin aux réjouissances de la société, unis en communauté rurale, maître des portions d'un sol tout entier disponible et suffisant pour pourvoir chaque famille de biens matériels bien au-delà de leurs désirs. Placés dans de telles circonstances, ils ne firent aucun autre progrès que le premier progrès que la largesse de la terre leur prodigua. Ils demeurèrent sous les mêmes institutions, le même peuple ignare, apathique et rétrograde. Ils sont doux et accueillants, frugaux, ingénieux et honnêtes, très sociables, gais et hospitaliers. Ils se distinguent par une courtoisie et une politesse vraie qui pénètrent toutes les classes de leur société. La conquête n'a pas changé grand-chose chez eux. Les classes élevées et les citadins ont adopté quelques-unes des coutumes anglaises. Néanmoins, la négligence continuelle du gouvernement britannique fut cause que la masse du peuple ne put jamais jouir des bienfaits des institutions qui l'eussent élevé à la liberté et à la civilisation. » Ça va sans dire que ce sont les institutions anglaises. Hein? « Il les a laissées sans l'instruction et sans les organismes du gouvernement responsable d'ici. Cela eut permis d'assimiler leur race et leurs coutumes très aisément et de la meilleure manière, au profit d'un empire dont ils faisaient partie. Ils sont restés une société vieillie et retardataire dans un monde neuf et progressif. En tout et partout, ils sont demeurés français, mais des Français qui ne ressemblent pas du tout à ceux de France. Ils ressemblent plutôt aux Français de l'Ancien Régime. » Et à ce moment-là, il va donc prôner l'assimilation des Canadiens français. Moi, j'ai toujours dit que c'est un honneur qu'il rend aux Canadiens français parce qu'il les a jugés dignes de devenir de bons Anglais, alors que l'Angleterre n'a jamais proposé la même chose aux habitants de l'Inde ou des Antilles anglaises. Vous allez me dire, c'est méchant, mais dans l'esprit de Durham, parce que Durham parlait très bien français, il avait vécu 6 mois à Paris. Quand il avait vécu au Bas-Canada, il avait apprécié quand même l'hospitalité des Canadiens et leur jovialité. Et il écrit quelque part, « Il y a à Québec 10 fois plus d'enfants français qui apprennent l'anglais que d'anglais qui apprennent le français. » Bien, il ne faut pas oublier que dans les années 1840, Québec et Montréal, la population était majoritairement anglophone. Et c'est par après que les francophones vont devenir plus nombreux que les anglophones.
Il va sans dire que dès qu'on connaît ici le contenu du rapport de RAM, on va le dénoncer, les Canadiens français vont le dénoncer. Et le premier, c'est peut-être Jean-Jacques Lartigue, qui était l'évêque du diocèse de Montréal. Lui, il va dénoncer le projet d'anglicisation et surtout celui d'établissement d'écoles neutres, qui échapperait au contrôle du clergé. Et un bon évêque, il craint aussi que le gouvernement songe à abolir la dîme, comme l'avait laissé entendre le gouverneur Colborne. On va nous envoyer ici un gouverneur qui s'appelle Thompson. Et lui, c'est un dur. C'est-à-dire qu'on a toujours eu des gouverneurs, un dur puis un mou, un conciliant puis un intransigeant. Là, comme on a demandé d'unir le Haut et le Bas-Canada, il faut donc adopter une nouvelle constitution, parce qu'on avait eu l'acte constitutionnel de 1791, qui avait divisé la province de Québec en deux, en Haut et en Bas-Canada. Et maintenant, comme Durham suggère, demande l'union du Haut et du Bas, il faut donc que la Chambre des Lords et les communes de Londres approuvent une loi qui va unir les deux Canada. Et à la Chambre des Lords, le projet va soulever des discussions très vives. Alors qu'à la Chambre des communes, ça ne souffrait pas beaucoup d'intérêt, un peu comme ce qui va arriver en 1866-1867. Et dans l'acte d'union, on va donc à ce moment-là déclarer que le conseil législatif se composera d'au moins 20 membres, dont 10 formeront le quorum. Pour être choisi conseiller, il faut être âgé d'au moins 21 ans, être sujet britannique, et la nomination, c'est pour la vie. Et on aura donc, je l'ai dit tout à l'heure, le même nombre de députés, on devrait prêter serment d'allégeance, et il y a l'article 41 qui est intéressant. L'article 41 dit qu'il n'y aura qu'une seule langue officielle, qui est la langue anglaise, dans tous les documents officiels. On dit qu'il soit statué que depuis et après la réunion des dites deux provinces, tout bref, proclamation, instrument pour mander et convoquer le Conseil législatif et l'Assemblée législative de la province du Canada, parce qu'on va maintenant s'appeler le Canada uni, et pour les proroger et les dissoudre, et tous les brefs pour les élections, tout bref et instrument public quelconque ayant rapport au Conseil législatif et à l'Assemblée législative, ou à aucun de ses corps, tout rapport à tel bref et instrument, tous journaux, entrées et procédés, écrits ou imprimés de toute nature, du Conseil législatif et de l'Assemblée législative, et de tout chacun de ses corps, sera que dans la langue anglaise, pourvu toujours que la présente disposition ne s'étendra pas empêcher que des copies traduites d'aucun tel document ne soient faites, mais aucune telle copie ne sera gardée parmi les records du Conseil législatif et de l'Assemblée législative, il ne sera censé avoir en aucun cas l'authenticité d'un record original. Donc, tous les documents officiels du gouvernement ne seront à l'avenir que dans la langue anglaise. Ça n'empêchera pas qu'à la Chambre d'Assemblée, on puisse utiliser dans des discours la langue française. Et celui qui, le premier peut-être, va se prévaloir de ce droit-là, c'est Louis-Hippolyte Lafontaine. Bon, Papineau, en 42, est à Paris. À ce moment-là, il ramasse des documents pour écrire une histoire du Canada. Celui qui l'a remplacé à la tête des Canadiens français, c'est Louis-Hippolyte Lafontaine. Et Lafontaine veut, le 13 septembre 1842, redonner des droits à la langue française. Dit, a-t-on oublié déjà que j'appartiens à cette origine si horriblement maltraitée par l'acte d'union? Si c'était le cas, je le regrette beaucoup. Il me demande, parce qu'il parle du député Don, parce que Lafontaine a commencé à parler en français, et il y a un député de Toronto, Don, qui lui dit « Speak right ». Et là, Lafontaine lui répond, « Il me demande de prononcer dans une autre langue que ma langue maternelle, le premier discours que j'ai à prononcer dans cette chambre. Je me défie de mes forces à parler la langue anglaise, mais je dois informer l'honorable membre et les autres honorables membres et le public du sentiment de justice duquel je ne crains pas d'en appeler, que, quand même, la connaissance de la langue anglaise me serait aussi familière que celle de la langue française,
je n'en ferai pas moins mon premier discours dans la langue de mes compatriotes canadiens-français, ne fût-ce que pour protester solennellement contre cette cruelle injustice de cette partie de l'acte d'union qui tend à proscrire la langue maternelle d'une moitié de la population du Canada. Je le dois à mes compatriotes, je me le dois à moi-même. Et il continue comme ça, mais à partir de ce moment-là, à partir du geste de La Fontaine, on va utiliser de plus en plus la langue française, mais il n'empêche que, assez souvent, des députés de la langue anglaise, surtout ceux de Toronto, qui vont crier, et même, il y en a tout à l'heure, je vais donner le texte, il va traiter les Canadiens français de « you stranger », vous autres les étrangers. On saute un peu. Il ne faut pas oublier qu'en 1841, la capitale est fixée à Kingston, parce qu'on va avoir une capitale qui va se déplacer tous les 4 ans. Je ne sais pas si vous aimez qu'est-ce que c'est. À tous les 4 ans, députés, conseillers législatifs, fonctionnaires, déménagent. On déménage la bibliothèque, on déménage tout. Montréal va devenir capitale aussi à un moment donné, mais en 1849, on va le voir tout à l'heure, on va brûler le Parlement, puis à ce moment-là, on va perdre le titre de capitale. En 1847, il y a à ce moment-là des dizaines de milliers d'immigrants irlandais qui fuient leur patrie où règne une famine, ce qu'on appelle la famine de la pomme de terre. Et les conditions des navires qui les transportent, c'est vraiment nul. La maladie se déclare et la station de la quarantaine de Grosse-Île ne peut suffire. À Québec et à Montréal, on construit des abris d'urgence et le Québec Mercury dénonce l'incurie des autorités anglaises de la métropole. Et on peut lire dans un journal, un témoin oculaire de Grosse-Île déclare qu'il est convaincu que sur les 2235 malheureux arrivés au cours des 13 derniers jours, il n'y en aura pas 500 qui se rendront au lieu de leur destination. Et selon le rapport du Comité d'immigration de Montréal, sur les 100 000 immigrants qui arrivent dans la colonie par voie fluviale, 5 293 meurent en mer, 3 389 à Grosse-Île, 1137 à Québec, 3 862 à Montréal, 130 à la Chine, 39 à Saint-Jean. Et un total, 13 850, et sans compter ceux qui vont mourir dans d'autres pays. Et si vous vous rappelez, il y a une roche à la sortie nord du pont Victoria qui rappelle qu'il y a peut-être quelques milliers d'ouvriers irlandais qui sont morts du typhus de 1847. On avance dans le temps, et en 1849, il y a un projet de loi qui est déposé pour indemniser ceux qui ont subi des pertes lors des événements de 1837-1838. Or, il était convenu que les loyaux sujets qui ont subi des pertes de la part des patriotes seront indemnisés. Mais il y a une proposition qui est faite à l'effet que ceux qui vont subir des pertes de la part des soldats anglais ou des volontaires anglais seront indemnisés à la condition qu'ils n'aient pas été arrêtés. Et pour les anglophones de Montréal et de Toronto, c'est une prime à la révolte. Et à ce moment-là, il y a un député qui s'appelle Allen McNab qui lui déclarer que si on adopte ce projet de loi-là, il va y avoir du grabuge. Il dit « J'avertis le ministre du danger, ce ministère qui m'a traité de rebelle, lorsque tous les actes de ma vie montrent que je me suis toujours efforcé d'être loyal, je l'avertis que la marche qui suit est propre à jeter le peuple du Haut-Canada dans le désespoir et de lui faire sentir que s'il est pour être gouverné par des étrangers, les étrangers, ce sont les Canadiens français, il lui sera bien plus avantageux d'être gouverné par un peuple voisin et de même race que par ceux avec qui il n'y aura rien de commun, ni par le sang, ni par la langue, ni par les intérêts. » Donc, en 1849, à cause de ce fameux projet de loi-là, il va y avoir un mouvement d'annexion aux États-Unis. Il y en a plusieurs, on le verra tout à l'heure,
qui vont prôner tout simplement l'annexion aux États-Unis. Et dans le Haut-Canada, on se dit que si on adopte ce projet de loi, il vaudrait peut-être mieux, à ce moment-là, devenir sujet américain. Et dans le Haut-Canada, il y a de plus en plus d'agitation. Il ne faut pas oublier que dans le Haut-Canada, il y a à ce moment-là les loges orangistes. Le duc d'Orange, c'est celui qui, en 1691, à la Boyne, va remporter une victoire contre les Stuarts, contre les catholiques. Et chaque année, le 12 juillet, même encore récemment, on l'a fêté à Toronto, je me rappelle d'avoir assisté à des défilés à Toronto, des orangistes qui, eux, sont des manches canadiens-français. C'est une loge. Je ne sais pas si vous avez déjà. Je l'ai vu en 1975. À Toronto? Avec des chevaux blancs. Des chevaux blancs. C'est de l'ancienne histoire, c'est de l'ancienne histoire. En 1975, il y en avait toujours. Ah, il y en avait toujours. Moi, je les ai vus à Toronto dans les années 1980. Il défile encore. À Montréal, à un moment donné, dans les années 1870, il va même y avoir un ou deux morts lors des défilés des orangistes le 12 juillet. Encore aujourd'hui, un peu partout, bien, si vous suivez les journaux, encore cette année, je pense qu'on a voulu l'interdire en Irlande. Dans certaines régions irlandaises, on a demandé est-ce que les protestants ne défilent pas le 12 juillet de peur qu'il y ait des affrontements avec les catholiques. L'Irlande du Nord. L'Irlande du Nord, oui. Ah! Il y a, à la Chambre de l'Assemblée du Canada uni, on va donc discuter de ça. Et dans les journaux du Haut-Canada, dans un journal, on peut lire « Le défi est jeté. Il faut que l'une des deux races, la saxonne ou la française, disparaisse du Canada. Nous sommes provoqués par la perfidie de La Fontaine, qui a enfin jeté le masque. Mais il ne vaut pas mieux, au fond, que Papineau. Eh bien, nous allons nous mettre sur la défensive jusqu'à ce qu'une occasion favorable se présente pour prendre l'initiative. » Et majoritairement, les députés vont voter en faveur de l'acceptation de la loi sur l'indemnisation. Et là, on se demande si le gouverneur, qui est Laurel Guin, va sanctionner cette loi-là. Parce qu'une loi, un projet de loi n'entre pas en vigueur tant que le gouverneur n'a pas sanctionné cette loi-là. Et le 25 mars, un mercredi, on se demande, Elgin doit proroger la session. Le Parlement, à ce moment-là, se tient à Montréal. C'est tout près du marché Sainte-Anne, qui est le marché à foin. C'est non loin de la place du Duvel actuellement. Et à Montréal, on se prépare à manifester au cas où Laurel Elgin accorderait la sanction royale. Et quelques jours auparavant, à Montréal, la Ligue britannique-américaine, présidée par George Moffat, avait rendu public un manifeste contre les francophones. On pouvait y lire « Il est évident, d'après le caractère connu de notre race, que les Bretons ne sont jamais soumis et ne se soumettront jamais passivement à un ascendant basé sur des sentiments de nationalité seulement et non inspiré par un principe généreux et progressif. » Donc, le 25 avril, vers 15 heures, Elgin se rend dans la salle du Conseil législatif au deuxième étage de l'édifice du Parlement pour sanctionner la loi. Et le greffier présente pour sanction plus d'une dizaine de projets de loi. Il lit « Bill d'indemnité pour les pertes subies pendant les insurrections de 1837-1838 ». On dit que le silence est complet. M. de Léry donne la motion d'approbation au nom de Sa Majesté la Reine. Les applaudissements des membres favorables à la mesure et de leurs sympathisants sont rapidement couverts par des cris et des hurlements. Plusieurs assistants sortent avec fracas. Le gouverneur, ayant rempli sa tâche, se prépare à retourner à sa demeure de Monklin. Et on peut lire dans Le Canadien, lorsque Laurel Elgin monta dans sa voiture, il reçut une salve d'eupories ou sansepories qui éclaboussèrent son carrosse et sa suite. Des grognements et des vociférations injurieuses éclatèrent, mais furent mêlés de hurrahs des libéraux qui se trouvaient présents. Et la Gazette, la Montreal Gazette. Est-ce qu'il y en a qui lisent la Gazette? Vous marquez en page éditoriale,
on dit que la Gazette est publiée depuis 1878. Mais on oublie de dire qu'en 1878, il n'y avait qu'une édition en langue française de Fleury Méplé, qui était un peu l'éditeur. Et c'est par après que la Gazette va devenir bilingue et après uniquement en langue anglaise. Mais en 1849, la Gazette est uniquement en langue anglaise et elle va publier le 25 avril une édition spéciale qui est un appel à la violence. On lit en première page, dans l'extra, « La disgrâce de la Grande-Bretagne consommée, le Canada vendu et abandonné, le bill des pertes de la rébellion passée, eux pourris lancés sur le gouverneur. Cet après-midi, il circulait une rumeur en ville que le gouverneur général se rendrait à la Chambre et donnerait la sanction à certains bills. Mais on ne pouvait pas supposer que le bill d'indemnité des pertes de la rébellion serait du nombre. Honteux du rôle qu'il allait jouer, et espérant en imposer au sentiment public, Laurel Guin vint ramper dans la Chambre une heure après le temps marqué, et quand on put croire qu'il avait changé d'intention, il se montra dans la Chambre et du Conseil législatif. Après la lecture de plusieurs bills, le bill est approuvé, et la honte éternelle de la Grande-Bretagne, la rébellion et la loi du sol, la fin commencée. Anglo-Saxon, vous devez vivre pour l'avenir. Votre sang et votre race seront désormais votre loi suprême. Si vous êtes vrai à vous-même, vous serez anglais. Dussiez-vous n'être plus britannique. À qui et à quel... Et quelle est votre allégeance maintenant? Que chaque homme réponde pour lui-même. La poupée du spectacle doit être rappelée ou repoussée par le mépris universel du peuple. Dans le langage de Guillaume IV, le Canada est perdu et livré. La foule doit s'assembler sur la place d'armes ce soir à 8 heures au combat. C'est le moment. À 20 heures, à la lueur des torches, l'Assemblée se tient au Champ de Mars. De 12 à 1500 personnes écoutent les orateurs qui ne se privent pas pour lancer des appels à la violence. Vers 21 heures, alors que le député Joseph Lorrain, de la circonscription électorale de Lotbinière, prononce en chambre un discours sur le projet de loi sur la judicature, cris et sifflements annoncent que la foule s'apprête à envahir l'édifice gouvernemental. Une pluie de pierres vient brusquement interrompre la séance. Tous les députés se réfugient dans un espace étroit entre la salle et la buvette. Tout à coup, quelqu'un crie « Les voici ». En effet, les émeutiers viennent de déboucher dans la salle de délibération, brisant les meubles, s'emparant de la masse en or. Un des envahisseurs déclare le Parlement dissous. Toutes les fenêtres ont été brisées et le gaz a été coupé. On crie « Au feu ». Et là, malgré les efforts de quelques fonctionnaires et députés, la bibliothèque, 25 000 volumes, les archives vont passer au feu. Et savez-vous comment ça s'appelait? Parce que là, à ce moment-là, les pompiers vont arriver, mais les gens coupent les boyaux. Et un des chefs des pompiers de Montréal s'appelait M. Tison. Là, on va assermenter des comptables spéciaux. On songe à enlever la milice. Mais pendant plusieurs jours, à Montréal, ça sera un climat d'émeute. Et par la suite, les gens vont se réunir dans un nouveau marché, qui est le marché Bon Secours. Le marché Bon Secours a été construit à ce moment-là, et on va siéger au deuxième étage du marché Bon Secours. Une des conséquences de l'adoption de la loi, du bill de l'indemnité, c'est qu'il y a à peu près 300 personnes qui vont signer un manifeste demandant l'annexion du Canada aux États-Unis. Parmi les signataires, il y a John Molson, John Redpath, John Rose, Holmes. Il y a quelques Canadiens français, dont Sabrova de Bleury, qui va laisser son nom à la rue de Bleury, Antoine Aimé et Jean-Baptiste Éric Dorion. D'autres, Gustave Papineau, qui est le fils de Louis-Joseph. Et là, même Amédée va s'adresser à son père dans une lettre datée du 15 octobre. Il va lui adresser le manifeste. Et à ce moment-là, Papineau va être assez favorable à l'annexion aux États-Unis. Papineau avait été réélu député en 1848 du comté de Saint-Maurice. Comme à Montréal, il n'y a plus de parlement, on va déménager à Toronto.
Le Parlement va donc aller à Toronto pour un certain temps et après va déménager à Québec. Et ce sera à Québec qu'en 1864, on va tenir une grande réunion qui va donner naissance à la Confédération. En 1857, la reine Victoria décide que la capitale du Canada sera, à partir de 1866, la ville de Bytown, la ville d'Ottawa. À partir de 1854 jusqu'à 1864, on aura 9 gouvernements qui vont se succéder. Aujourd'hui, quand on parle d'instabilité ministérielle, quand on dit qu'on a un gouvernement minoritaire, qu'on craint d'avoir des élections l'an prochain, donc en 10 ans, on a connu 9 gouvernements. Mais il faut savoir que il y avait le bas et le haut Canada, mais pour qu'un gouvernement, qu'un ministère puisse subsister, il fallait qu'il ait la majorité dans les deux parties. Il fallait que la majorité dans le haut et la majorité dans le bas. Et si un parti perdait sa majorité dans un ou dans l'autre parti, bien, à ce moment-là, le gouvernement était renversé. Le record Guinness du plus court gouvernement, c'est en 1864, c'est le Parti libéral avec Antoine-Aimé Doria pour le Bas-Canada. Ce gouvernement-là va durer 4 jours. Je ne sais pas si vous... Et c'est là qu'on se rend compte que ça ne peut pas durer, qu'il faut absolument trouver un moyen de régler la situation pour retrouver un certain équilibre. Et c'est un député, celui qui a fondé The Globe, qui est Josh Brown, qui, lui, va présenter une résolution demandant que les partis s'unissent et ça va être ce qu'on va appeler la Grande Coalition de 1864. Aujourd'hui, on a The Globe and Mail, hein? Mais c'est deux journaux qui ont fusionné. On a d'abord The Globe et, je pense, des années 1890, The Mail va se fusionner avec The Globe. Il va donner naissance au Globe and Mail. Mais s'il y avait un journal des années 1880 qui était contre les Canadiens français, c'était The Mail. Ah! Il va y avoir, donc, cette résolution-là. Et on va l'accepter. Et en 1864, au mois de juillet, il y a à Charlottetown une rencontre des premiers ministres, des gouvernements, des colonies maritimes, c'est-à-dire Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et l'île du Prince-Édouard. Et à ce moment-là, il est question que ces quatre colonies-là s'unissent. Ici, on a Johnny McDonald et Georges-Étienne Cartier qui, eux, décident de partir sur un navire qui s'appelle le Victoria, en ayant soin de mettre dans la cale moult caisses de champagne, et on se rend à Charlottetown. On arrive, parce que là, on veut convaincre les délégués qui sont à Charlottetown de venir à Québec pour qu'on discute non plus de l'union des quatre colonies atlantiques, mais de toutes les colonies d'Amérique du Nord, c'est-à-dire du Haut et du Bas-Canada. On va réussir, on va arriver un samedi à l'époque où il y a un cirque à Charlottetown, de sorte que c'est le secrétaire du Parlement, Pope, qui va être tout seul dans une chaloupe, à aller rencontrer les délégués du Canada uni pour les inviter à descendre et aller à Charlottetown. Et c'est pour ça que si vous allez au Parlement de Charlottetown, il y a dans l'édifice du Parlement la table autour de laquelle se sont réunis les représentants en disant que c'est là qu'est née la Confédération. Mais moi, j'ai beaucoup plus l'impression que c'est à Québec, au mois d'octobre 1864, avec des représentants de toutes les colonies anglaises, qu'on va, à ce moment-là, mettre sur pied le vrai projet de Confédération. Et d'ailleurs, ils sont 33 à ce moment-là, et c'est ceux-là qu'on va appeler les pères de la Confédération. Vous avez dû voir le fameux tableau, on va prendre une photo des 33. Et il va y avoir un peintre qui s'appelle Harris, je pense, qui va en faire un tableau qui va être très connu aussi. Et moi, j'ai toujours dit que si la Confédération a toujours autant de problèmes, c'est qu'elle a eu 33 pères, mais pas de mère. Mais il a été convenu que pour les... Parce qu'à Québec, on adopte toute une série de résolutions qui vont servir de base au projet de loi qui devrait être adopté par le Parlement de Londres. Et à ce moment-là, il va falloir que la Chambre d'Assemblée
de chacune des colonies approuve les résolutions. Et il y aura à ce moment-là seulement 4 gouvernements qui vont l'approuver. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, celui du Nouveau-Brunswick, celui du Bas-Canada et celui du Haut-Canada. Et c'est pour ça qu'en 1867, le Canada ne se composera que de ces 4 provinces-là. Mais à Québec, on va donc étudier le projet de loi et le vendredi 10 mars 1865, la proposition principale de John McDonnell est mise au vote. Sur les 124 députés présents, 91 votent en faveur de l'adoption des résolutions de la Conférence de Québec. Et l'historien Jean-Paul Bernard analyse ainsi le vote exprimé par les députés du Bas-Canada. Et vous allez voir que c'était assez mince. Et il dit, sur les 62 députés du Bas-Canada, 37 avaient voté en faveur de la Confédération, tandis que 25 s'étaient déclarés contre. Donc, ça n'a pas été à l'unanimité. Hein? Cependant, ajoute-t-il, une analyse plus précise du vote montre que le projet n'avait été appuyé que par 27 députés canadiens-français sur les 49. Mieux que cela, si on enlève d'une part les voix de Poupart et de Robitaille, qui représentaient les circonscriptions majoritairement anglophones de Pontiac et de Bonaventure, et si l'on ajoute d'autre part celles de Holton et de Huntingdon, qui représentaient des comtés majoritairement francophones, on peut dire que parmi les 49 représentants des comtés francophones qui prirent part au vote, 25 dirent oui et 24 non au projet de Confédération. Si 13 des représentants des 24 comtés francophones de la grande région de Montréal et si 4 des 7 représentants de la grande région de Trois-Rivières s'étaient prononcés contre la Confédération, 7 seulement des 19 représentants des comtés francophones de la région de Québec l'avaient fait. Et là, le journal Le Pays, qui est un journal libéral, dit que cette séance parlementaire restera profondément marquée dans les annales du Canada et surtout dans l'histoire de la nationalité française sur cette partie du continent américain. Et à la clôture de la séance, tous les députés se sont levés et ont chanté « God save the Queen ». Parce que vous pouvez oublier que depuis 1837, c'était la reine Victoria qui régnait sur l'Empire britannique. Il faut donc maintenant, il va y avoir une autre conférence qui est à Londres. Et c'est à Londres qu'on va régler la question des écoles. Parce que les anglophones vont avoir peur que dans la province de Québec, la majorité francophone fasse un mauvais sort aux écoles anglophones. Et c'est là qu'on va adopter une résolution qui va concerner les écoles et aussi la langue. On va se demander quel nom devra porter le nouveau pays. On sait, nous autres, que ça va être le Canada qui va être choisi. Mais dans The Globe, il y a des lettres d'électeurs qui proposent toutes sortes de noms. Certains vont suggérer le nom de Colombie à cause de Christophe Colomb. D'autres vont suggérer Boréalie, parce que l'Angleterre a l'Australie au sud, elle aura donc la Boréalie au nord. Et en 1962, on est parti de ce nom-là, nous, quand on a parti le journal Boréal Express. On a retenu le mot Boréal, on a ajouté le mot Express pour faire plus moderne, ce qui fait qu'on a reçu des demandes de soumission pour le transport d'huile de la part de certaines coopératives. Ils nous prenaient pour une compagnie de transport. Alors, certains vont suggérer Ursulie, parce qu'il y avait des filles de la reine Victoria qui s'appelait Ursule. Il y en a un autre qui va suggérer Efriga pour England, France, Germany, Irish, Efriga. Donc, on a arrêté des Efrigociens ou des Ursuliens. Mais c'est le mot Canada qui va triompher. À Londres, le projet de loi va susciter bien peu d'intérêt. À la Chambre des communes de Londres, si on se fie à une lettre d'un délégué de la Nouvelle-Écosse, les députés étaient plus intéressés par un projet de loi qui concernait un projet de taxe sur les taxes de chiens de chasse que sur l'union des 4 colonies. Et il va écrire un greffier bredouillard
non même sur les clauses, mais sur le nombre, et comme il s'agissait d'une méthode encore trop lente d'expédier cette mesure désagréable et ennuyeuse, qui ne mettait en jeu, la position électorale de quiconque et qui, par conséquent, n'intéressait personne, il avait trouvé moyen de lire à la fois toute une série de numéros disant, par exemple, « Il est proposé que les clauses 73, 74, 75 soient adoptées. » Elles étaient, en effet, sans que personne ne s'inquiétât de leur contenu. La Chambre s'anima ou se remplit davantage quand survint un projet de loi concernant une taxe sur les chiens. Vous comprenez que des gentilshommes campagnards, probablement incapables de pointer la Nouvelle-Écosse sur une carte, mais possédant des meutes de chiens de chasse, soient plus intéressés par cette taxe que par les tarifs canadiens. J'avoue qu'une telle indifférence m'a plus humilié qu'une opposition réelle. Et le 29 mars 1967, la reine Victoria accorde la sanction royale au British North America Act. Le problème, c'est que il n'y avait pas de, traduction française officielle. Faut toujours, moi, je parle pas de l'Amérique du Nord-Britannique, je parle toujours du British North America Act. C'est le nom officiel. Lors de la conférence de Londres, on a passé proche de perdre Johnny McDonald. Il était complètement saoul et il a renversé la chandelle qui était sur la table à côté de son lit et le feu a pris dans les rideaux et on l'a sauvé in extremis. Donc, on va s'arrêter à quelques articles. Les sénateurs, maximum 78. Ils sont nommés à vie, mais ils ne peuvent siéger en même temps à la Chambre des communes. La Chambre des communes va se composer de 181 membres, soit 92 pour l'Ontario, 65 pour le Québec, 19 pour la Nouvelle-Écosse, 15 pour le Nouveau-Brunswick et le quorum, 20 membres. Ce qui est important, c'est que c'est les 65 pour le Québec. C'est que on a pris la population du Québec, on l'a divisé par 65, et c'était le chiffre magique pour décréter des nouveaux comtés, des nouvelles circonscriptions électorales. Ce qui fait qu'on a passé à 75, mais ce qui fait qu'encore aujourd'hui, le nombre de députés du Québec ne bouge pas, mais celui de l'Ontario augmente, celui de l'Alberta a augmenté, celui de la Colombie-Britannique a augmenté. Ce qui fait qu'on est de plus en plus minoritaire à la Chambre des communes d'Ottawa. Les anglophones disent, mais c'est normal, qu'est-ce que vous voulez? C'est l'équité. Vous avez, on n'a pas plus de voteurs par circonscription électorale qu'il y en a dans les comtés québécois. Mais ce qui fait que nous autres, on est moins nombreux. Et dans ce qui est important de retenir, c'est que dans la Constitution canadienne, c'est l'inverse de la Constitution américaine. Dans la Constitution américaine, tout ce qui n'appartient pas à l'État central appartient aux États. Alors qu'au Canada, tout ce qui n'appartient pas aux provinces appartient au fédéral. Ce qui fait que les pouvoirs des provinces sont limités et le pouvoir du fédéral est illimité. Ce qui fait que il va y avoir beaucoup plus de domaines qui vont s'ajouter au fédéral qu'il y en a qui vont s'ajouter au provincial. Bon, là, actuellement, par exemple, il est question que le gouvernement Harper adopte des mesures concernant les algues bleues. Ah, ça relève des provinces. Mais le fédéral va empiéter sur ça. L'éducation, l'instruction relève des provinces. Mais avec la commission, l'évêque, comment ça s'appelle? Massé-Lévesque, à partir de 1950, on va décider que l'instruction, qu'au niveau universitaire, ce n'est plus de l'éducation, ce n'est plus de l'instruction, c'est de la culture. Ce qui fait que le fédéral va pouvoir subventionner les universités. Dans les pouvoirs qui sont spécifiquement accordés au fédéral, il y a le service postal, le recensement et les statistiques, la milice, le service militaire, le service naval et la défense du pays, la navigation. Bon, tous les cours d'eau navigables et flottables relèvent du fédéral. Ceux où on ne peut pas naviguer, ça peut relever de la province. Pour construire un pont,
mettons sur le fleuve Saint-Laurent. L'eau appartient au fédéral, le fond appartient au provincial et les rives appartiennent aux municipalités. Ben non, mais. Il faut se rendre compte de ça. Et ensuite, la quarantaine, l'établissement de la médecine des hôpitaux de la marine, les pêcheries des côtes, de la mer et de l'intérieur, le cours monétaire et le monnayage, les banques, l'incorporation des banques et l'émission du papier-monnaie. Les caisses populaires ont échappé pendant un certain temps. Mais à partir du moment où elles sont comme des banques, à ce moment-là, le fédéral veut mettre la main dessus. Point et mesure, la banqueroute et les faillites, les brevets d'invention et de découverte, les droits d'auteur. Pendant très longtemps, les droits d'auteur relevaient du ministère de l'Agriculture. Ben non. Ben, culture et agriculture, vous savez. Dans l'esprit des... Les sauvages et les terres réservées aux sauvages. Ça, c'est important. En 1876, on va adopter la fameuse loi des réserves. Mais encore aujourd'hui, les Indiens relèvent du fédéral. Le mariage et le divorce. Ça, les députés canadiens-français ont demandé que le divorce relève du fédéral. Le mariage aussi. Mais par contre, la cérémonie du mariage relève des provinces. Par contre, le divorce, pendant très longtemps, il va falloir que ce soit un bill privé qui passe devant le Sénat. On voulait que ce soit le plus difficile possible de divorcer. C'est pour ça qu'on s'est dit, au fédéral, ça va être plus difficile. Les lois criminelles, les pénitenciers. Si vous voulez savoir si... On parle de la prison de Bordeaux, mais du pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul. Quand on parle de prison, c'est provincial. Quand on parle de pénitencier, c'est fédéral. Bon, si vous êtes condamné, vous vous demandez pourquoi on est condamné souvent à 2 ans moins 1 jour. À ce moment-là, vous allez dans une prison. Si c'est 2 ans et plus, vous allez dans un pénitencier. Pour les provinces, on dit que ce qu'on donne là, c'est concédé de façon exclusive, mais non limitative. La taxation directe, les taxes, les vraies taxes. Vous allez me dire, oh, aujourd'hui, on en paye au fédéral. C'est qu'en 1940, le gouvernement Mackenzie King a demandé à Adélard Godbout de céder pour le temps de la guerre au fédéral le pouvoir de taxation pour être capable de financer l'effort de guerre. La paix est revenue. En 1944, Duplessis va reprendre le pouvoir. Et là, il va réclamer son butin. Et le fédéral n'a jamais remis aux provinces le pouvoir de taxation directe. Et aujourd'hui, on est taxé par les deux. Les hôpitaux relèvent de la province. On dit les établissements, l'entretien et l'administration des hôpitaux, asiles, institutions et hospices de charité dans la province, autres que les hôpitaux de la marine. Les institutions municipales, les licences de boutiques, de cabarets, d'auberges, d'encanteurs et autres licences, la célébration du mariage, la propriété et le droit civil, et on dit généralement toutes les matières d'une nature purement locale ou privée dans la province. Et la province n'a de droit que ce qui peut être limité dans une province. Bon, à un moment donné, on peut prendre, mettons, la radio. La radio par onde hertzienne peut être captée n'importe où, donc ça relève du fédéral. Les chemins de fer, les compagnies de transport qui ne font du commerce que dans une province, ça relève de la province. S'ils font du commerce interprovincial, ça relève du fédéral. La câblo-distribution. La câblo-distribution, ça relevait de la province. Parce que c'est limité. Ça ne dépasse pas les limites de la province. Mais la télévision relève du fédéral. Sauf la télévision par câble. C'est pour ça que quand on a parti Radio-Québec, on voulait échapper au contrôle du CRTC.
Mais à partir du moment où Télé-Québec a été capable d'être capté à l'extérieur, ça a relevé du fédéral. La langue et l'éducation ont fait l'objet d'articles privilégiés. L'article 93 parle des écoles séparées. Mais ce qui est important de noter, c'est que quand on parle d'écoles séparées, ça n'a rien à voir avec la langue. Ça a rapport avec la religion. C'est la religion qui est protégée par la loi 93, l'article 93, et non pas la langue. Et on dit d'ailleurs, parce que c'était pour protéger beaucoup plus les écoles anglophones au Québec que les écoles catholiques dans le Haut-Canada. On dit, tous les pouvoirs, privilèges et devoirs conférés et imposés par la loi dans le Haut-Canada lors de l'Union aux écoles séparées et aux syndics d'écoles des sujets catholiques romains de Sa Majesté seront et sont par le présent étendus aux églises dissidentes des sujets protestants et catholiques romains de la reine de la province de Québec. Dans la province où un système d'écoles séparées ou dissidentes existera par la loi lors de l'Union ou sera subséquemment établi par la législature de la province, elle pourra être interjetée appel au gouverneur général en conseil de tout acte ou décision d'aucune autorité provinciale affectant aucun des droits ou privilèges de la minorité protestante. Donc, il ne faut pas oublier qu'en 1912, en Ontario, on aura le règlement 17 hein, qui va essayer de brimer les écoles françaises. Ah, ça y... Ils vont réussir. Oui. Et, il y avait des inspecteurs pour s'assurer qu'on n'enseigne pas le français dans les écoles. Et c'était chapeauté par des évêques irlandais. Monseigneur Fallon de London. Yes. Et d'ailleurs, on aura à ce moment-là le régiment des aiguilles de chapeau. Des femmes qui vont essayer de faire en sorte que les inspecteurs ne pouvent pas rentrer dans les écoles où on enseigne encore la langue française.